Vous attendez pas à me voir, hein? Salut tout le monde, aujourd'hui on va présenter SCP-802 qui est un temple musical, vous allez comprendre. Non, c'est faux. Comme d'habitude, hein, les CP pas très compréhensibles, mais bon, commençons. SCP-802 est un char moyen de type B1 construit par Renault datant de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, contrairement aux chars normaux, 802 peut fonctionner tout seul. La drogue, je trouve ça pas très cool. Par contre, on ne sait pas si 802 est conscient ou s'il a une quelconque intelligence. 802 est gravement endommagé, la tourelle est manquante, l'arme ne fonctionne plus, les chenilles s'enlèvent presque, la coque est usée et endommagée par le temps et les combats. Malgré son état, le truc peut rouler à 40 km/h au lieu de 28 km/h max pour des chars normaux. Le truc marrant, c'est que quiconque entre dans la zone qui est patrouillée par 802, qui est une vieille ville en ruine, qui a été construite au XVIe siècle, mais abandonnée pour une raison inconnue, probablement le char au début du XXe siècle. Je dédie cette récompense à toute l'équipe d'écriture qui a pas voulu être là aujourd'hui. Et bah le char essaiera de tuer cette personne. Depuis le confinement initial, il y a eu 47 victimes. Mes condoléances. Condoléances, quel horrible accident. 802 n'a jamais tenté de quitter le périmètre de la ville. Parce que le scénario... SCP-802 peut prendre des dégâts qui peuvent le mettre hors circuit mais ne peut pas être détruit. Il est incapable de le faire, mais enfin... L'aspect le plus strange. I'm so sorry, I don't really speak French, so I'm like... L'aspect le plus étrange de 802 est la musique provenant de l'intérieur de sa coque, qui peut également être entendue occasionnellement à travers toute la zone de confinement la nuit. D'après les témoins oculaires et les archives, nous savons que 802 a tendance à jouer de la musique issue de la fin du 14e siècle jusqu'au début du 20e siècle. On ignore ce qui cause ce phénomène, mais une hypothèse a été émise selon laquelle la musique est une stratégie de guerre psychologique, cherchant à déconcerter et rendre l'ennemi confus. Quoi ? Ceci reste à confirmer. Votre magnificence, musique de Mario 64. C'est la fin de cette présentation de SCP Bye Bye. Attends, j'appuie sur Z pour voir ce que ça fait. Mais ça m'a détruit les tympans.